Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo de motivation en préparation de la rentrée scolaire. Nous sommes le week-end du 26 août et l'école commence chez nous ici le 4 septembre. Cette vidéo est pour vous motiver les amis à mettre tout au clean et à être prête à la rentrée scolaire. Désolée pour les bruits les amis, c'est le matin, il y a les motos qui passent, bref, on vit dans la maison, on vit dans le quartier, désolée pour tous les bruits qu'il y aura dans la vidéo. Vous me voyez habillée ainsi avec une écharpe là, parce que je viens juste d'enlever le pull, ça ne devait pas être très pratique pour le ménage, le gros pull que j'avais. Je l'ai enlevé mais j'ai laissé l'écharpe, il fait très froid à Yaoundé. Nous sommes le matin, il est 7h moins et vraiment il fait très froid. Voilà pourquoi vous avez vu dans une de mes vidéos comment bébé est habillé avec le collant, le pull, le chapeau. Dans le pull, il y a même encore le body, donc c'est pour protéger le bébé du froid. Il fait très froid à Yaoundé. Ceux qui pensent qu'en Afrique, c'est seulement la chaleur, là vraiment vous vous trompez énormément. Actuellement, vous en Europe avec l'été, si on vous pose ici à Yaoundé le matin, vous allez croire que vous êtes en hiver là-bas. J'imagine, parce que le genre de froid qu'on ressent ici le matin, toutes les personnes qui vivent à Yaoundé peuvent vous dire. Donc, c'était une parenthèse à toute personne qui découvre ma chaîne pour la première fois sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun et j'ai créé la chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation ménage, motivation organisation, vie de maman, comment prendre soin de sa maison, parentalité, bien gérer son budget alimentaire, les astuces, les conseils. Bref, ma chaîne parle de la vie de maman, la vie de foyer, la vie de femme aussi. Et vous savez, je suis passionnée de décoration intérieure. Vous avez des vidéos de décoration intérieure. Récemment, j'ai partagé sur ma chaîne l'ouverture d'une boutique de décoration à Yaoundé avec de la bonne décoration, la décoration de qualité et de luxe à petit prix. N'hésitez pas à aller sous la description là. Cliquez sur le lien pour intégrer le groupe WhatsApp de la boutique afin de voir nos publications, afin de voir les marchandises que nous publions au quotidien. Et n'hésitez pas pour ceux qui sont à Yaoundé à faire un tour à la boutique. C'est situé à Fanta Citron, avant le marché Vocada, juste à la descente là. La boutique est bien en route. Quand vous allez voir, vous saurez, c'est Aga Décoration. Vous saurez que c'est la seule boutique de décoration que vous allez voir là-bas. C'est-à-dire la seule boutique de décoration avec une vitrine qui frappe. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, c'est une vidéo de motivation, organisation de la rentrée scolaire. Ce matin, j'ai commencé par ranger mon salon. Donc j'ai nettoyé, organisé, débarrassé avec mon plateau. Quand je veux débarrasser le salon, je viens avec un plateau. Je mets tout ce qu'il y a à débarrasser là-dedans et je vais directement poser au couloir. Quand je finis avec le salon, je continue avec le couloir, ensuite la cuisine. C'est souvent ça ma routine du matin avant que les enfants ne se réveillent et tout. Comme là maintenant, les enfants dorment encore. Et aussi au niveau des chaises du salle à manger, quand je finis de nettoyer la table, je me rassure toujours que j'ai nettoyé les chaises. Parce que tu peux tout nettoyer la table, balayer le bas, croire que tu as fini. C'est en voulant t'asseoir que tu te rends compte qu'elles a versé le pain, qu'il y a l'huile sur la chaise, qu'il y a le cornflakes sur la chaise, la maison des enfants. Donc c'est pourquoi quand je finis, je vérifie les chaises de salle à manger. S'il y a de l'huile, je mets directement soit le savon liquide sur le chiffon microfibre, je viens frotter, soit je mets le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc sur l'endroit, je laisse poser, ensuite j'essuie. Donc c'est comme ça, je fais ça au quotidien pour que la saleté ne s'accumule pas sur les chaises et même aussi sur le canapé. Régulièrement, je prends un gant humide, je frotte pour attraper les saletés qu'elles ont mis avant de faire un grand nettoyage du canapé. J'espère que le Seigneur me donnera les moyens d'appeler une équipe de nettoyage pour ce Noël-ci, pour qu'ils viennent me nettoyer le grand canapé, le tapis et les chaises de salle à manger avant que je n'installe ma décoration de Noël. À la rentrée scolaire, une mère parle déjà de Noël. Non, j'aime trop Noël, vous savez. Donc les amis, je continue tout de suite après l'introduction-ci par le nettoyage, donc le lavage du salon avec morceau sépia. Balai ses pieds avec seau et saureur. C'est vraiment rapide. Je passe juste 3 fois et je continue. Je vais aussi nettoyer le balcon là pour pouvoir tirer le linge que vous voyez. Non, le linge qui est là est même sec. Je vais enlever le linge qui est là. Là maintenant, une machine est en train de tourner. Ce matin, j'ai commencé par lancer une machine. Donc, je continue par laver le salon, laver le balcon, débarrasser le linge sur... Le sèche-linge, tous les 2 sèche-linges là, sécher ce qui sort de la machine à laver, aller faire le ménage dans la cuisine, aller au marché. Ouh, je dois aller au marché. J'ai une journée chargée et j'espère partager avec vous toutes les séquences de cette journée chargée. J'espère vraiment partager avec vous. Sinon, à un moment, je risque de couper pour aller vite parce que c'est mon dernier week-end où je dois être à fond avant la rentrée scolaire. Donc, je dois tout ranger. La maison doit être clean. Quand j'entre dans chaque pièce, c'est clean. Salon, cuisine, chambre des enfants, couloir. Tout doit être rangé. J'ai acheté le sac de boutique pour l'école. Je dois un peu essuyer ça. C'est un sac boutique, mais j'ai acheté il y a de cela quelques semaines. J'ai posé là. Un peu de moisissure à toucher. Je dois le nettoyer et bref, je dois tout ranger dans la chambre des enfants, bien classer, collants, caleçons, les chaussures. Il y a quelques chaussures que je vais encore appeler le toc-toc pour qu'ils viennent coudre ça. Les chaussures récupérées de l'année passée. Et ici, j'ai déjà acheté les chaussures de cette année. J'ai pris à chacune 2 ballerines. Et il y a aussi les chaussures récupérées de l'année passée. Je vais appeler le toc-toc tout à l'heure pour qu'ils viennent. J'avais déjà appelé le clic-clic, le tailleur ambulant. Le toc-toc, c'est le cordonnier ambulant. Le clic-clic, c'est le tailleur ambulant. Donc, j'avais déjà appelé le clic-clic pour qu'il vienne raccommoder les tenues. Aujourd'hui, je vais appeler le toc-toc pour qu'il vienne coudre les chaussures récupérées de l'année passée. Je vais ranger tout. Donc, je range toute leur chambre. Je range toute leur chambre aujourd'hui par rapport à la rentrée scolaire. Et en semaine, on va entretenir. On a encore une semaine, quelques jours. Pour la rentrée scolaire. Donc j'ai plein de choses à faire et cette vidéo c'est pour vous motiver les copines, pour vous motiver les amis à faire de même. Pour vous motiver à faire de même, que tout soit prêt, clean avant la rentrée scolaire. Les tenues de sport, je n'ai pas l'intention de renouveler, elles vont utiliser les mêmes tenues de sport que l'année dernière. Elles ont lui acheté une tennis parce que la tennis de l'année dernière, ça la serrait déjà. Les 2 tennis qu'elle a eu l'année dernière, ça la serrait déjà. On lui a acheté une seule tennis pour cette année scolaire. Sa soeur, elle a plusieurs tennis parce que les tennis lui vont toujours. C'était des pointues un peu plus grandes. Donc, même maintenant, ça lui va. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. L'autre jour, au China Mall, j'ai rencontré une abonnée. Non, une vraie abonnée. Elle est là à tous les rendez-vous, elle commente, elle partage, elle regarde la vidéo jusqu'à la fin. Bref, merci. Merci pour ce genre d'abonné. Si tu passes par ici, je te fais un coucou particulier. Continue à être cet abonné exemplaire qui va servir d'exemple pour les autres. Dans les amis, un abonné exemplaire, c'est quoi? Activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos. Et quand la notification arrive, attendre d'avoir du temps. Le temps libre pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo, laissez un commentaire de la partie de la vidéo qui vous a plu ou bien d'un apport, d'un complément d'information ou d'astuce et partagez autour de vous. Partagez autour de vous. Let's go pour la suite. Trop de bavardage, la mère, trop de bavardage. Dans mon seau serpillère avec balai et saureur, j'aime mieux un savon en liquide. C'est le savon en liquide multi-usage que j'utilise pour plusieurs choses de fabrication locale. Donc avec ça, je nettoie le sol, je frotte bien. Là où il y a des saletés qui sont un peu trop collées sur le sol, j'insiste avec le pied. Dans la vidéo où je suis allée visiter le China Mall, dans le grand magasin de China, je vous ai montré un seau essoreur avec balai serpillère. J'avais trouvé ça un peu coûteux, mais si c'est solide, pourquoi ne pas? Le mien, je l'ai eu à Dove, à 16 500, il y a de cela 3 ans et c'est toujours solide. J'espère qu'au moment venu, je vais trouver le bout serpillère microfibre là, je l'espère. Là, j'ai terminé avec le nettoyage du sol. Vous avez constaté que la petite table basse est arrivée. Celle-là, je la trouve un peu trop haute, mais bon, c'est joli. C'est le modèle que j'avais choisi. J'ai vu sur Pinterest, j'ai envoyé au menuisier. Il m'a demandé de lui donner les mesures fatiguées. Je n'ai pas donné les mesures. Donc, il a supposé et il a fait une table basse un peu avec les hauteurs du meuble TV. Mais je trouve que ma table basse est un peu très haute. Je trouve qu'elle est très haute. Il a promis de faire une autre. Cette fois-ci, j'ai mesuré. Cette fois-ci, j'ai mesuré, c'est-à-dire une hauteur de 40 cm et une largeur de, je crois, 70. Celle-ci est bien plus grande. Donc, il va refaire la table et porter celle-ci. Je ne sais pas dans quel délai. Bon, pour l'instant, je n'ai pas remis celle-ci. Je reste avec pour que cet espace-là ne soit pas vide. Ah oui, c'est la maison de bébé, il y a toujours les trucs de bébé. Bientôt, elle ne pourra plus rentrer dans sa balancelle et je vais l'enlever. Peut-être je vais la revendre ou alors je vais donner à quelqu'un. Donc, j'ai terminé avec le ménage du salon. J'espère vraiment que je vous ai motivé, les amis. Maintenant, je continue avec la cuisine et quand la machine à laver signale que ça finit avec le linge qui est dedans, je viens débarrasser le sèche-linge là. Et je sèche les nouveaux vêtements. Puis, je vais mettre au balcon. Le balcon est déjà propre. J'ai bien nettoyé. Let's go pour la suite de la vidéo. J'espère que je vous motive à fond, les copines. À la cuisine, je commence par débarrasser. Parce que j'étais tellement fatiguée à la veille que je n'ai rien fait. La cuisine était tellement désordonnée. Donc, je commence par débarrasser. Je mets chaque chose à sa place. Ce qui est sale va directement dehors. Avant de nettoyer le plan de travail. Vous savez les copines, la base du ménage c'est le rangement. Rangement, ordre, organisation. Dans tout ça, même quand c'est sale, on ne voit pas vite. Vous voyez là tout à l'heure, c'était tellement désordonné. avec beaucoup de choses accumulées, on voyait directement que c'est très sale. Une fois que j'ai tout porté, mettre dehors, mettre chaque chose à sa place, on a l'impression que la cuisine est propre juste parce que c'est organisé avant même qu'on ne nettoie. Après avoir lavé mon plan de travail, bien nettoyé, là je l'ai fait avec le savon liquide et de l'eau. Oui, il m'arrive de laver le plan de travail avec le savon liquide et de l'eau sur le chiffon microfibre. Après, je rince bien, j'essuie bien, un peu comme vous lavez les assiettes. Ensuite, je nettoie la plaque magasinière. Je nettoie la partie d'en haut et je nettoie un peu la partie du four. Même si ces derniers temps, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, la poussière s'infiltre toujours. Donc, je nettoie aussi ça. Après avoir tout débarrassé et nettoyé, maintenant je balaie. Je balaie puis je vais laver le sol. Je vous remontre cette feuille-ci qui est un antibiotique naturel pour la grippe et la toux. Bon là j'ai tout nettoyé, même le balcon. La seule chose que j'ai laissée ce sont les assiettes sales que vous avez vues dehors là. Je vais laver après. Après avoir terminé avec la cuisine, donc je viens enlever les vêtements sur le sèche-linge pour récupérer ce qui est terminé dans la machine et venir sécher. Mais là, ce qui était terminé était pour bébé. J'ai directement enlevé et venu mettre sur le sèche-linge de bébé. On a dédié ce plus grand sèche-linge là à bébé et celui sur lequel je suis en train d'enlever les vêtements, c'est pour les filles. Donc je vais porter, aller mettre dehors, je vais tirer celui de bébé, aller également mettre dehors avant de sécher. Parfois je sèche à l'intérieur, parfois je mets dehors avant de sécher, donc ça dépend. J'ai sorti certaines affaires des filles que j'avais gardées l'année dernière, sur des choses qu'elles avaient reçues de France. J'avais gardé, donc ici c'est pour Elsa, elle s'en sort avec un, deux, rien que deux démembrés pour Elsa. Et Dana, elle s'en sort avec trois. Donc j'avais gardé, trois. Mais récemment, j'ai sorti un pour la fête de fin d'année de Elsa. C'est la raison pour laquelle elle n'a que deux. Mais c'est encore bien, l'autre encore bien. Ici aussi, j'avais gardé les culottes. Caleçon ou culottes, selon vous. Selon comment vous les appelez. Ici, c'est quel âge? 9 à 10 ans. Il y avait encore deux gommes, des crayons, les gaules. Les gens là qui gardent les cahiers là, un taille crayon et un paquet de couleurs, ceci va aller à Elsa. Je vais chercher les couleurs pour Dana. J'ai encore acheté un paquet de crayons pour les filles et un paquet de bics bleus et des autocollants pour mettre le nom sur les cahiers. Donc voilà pour ce qu'on a récupéré et c'est une bonne chose d'avoir gardé vraiment économie plus. Maintenant je continue avec la chambre des filles. Avant de continuer à filmer la chambre des filles, j'avais déjà fait un gros tri dans les jouets et dans les anciens cahiers. Dans les vêtements, j'avais déjà trié, donc je n'ai que plié les vêtements. Donc j'ai trié et vous voyez comment j'ai enlevé plein de jouets et une boîte de rangement de Elsa qui s'est déjà pliée là. J'ai jeté ça, c'est la boîte jaune là, c'est déjà gâté. Elle s'est battue à faire un an avec. J'ai rangé les vêtements des enfants, j'ai plié le drap, j'ai rangé également dans la penderie. Donc voilà tout ce qu'elles ont comme vêtements en plus de ce qu'il y avait dans la machine à laver. Vous voyez que c'est désencombré et les enfants ont le nécessaire. Même si on a l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais je vous assure, c'est suffisant pour ces enfants. C'est suffisant. Je vous parlais de la boîte de rangement jaune là, de Elsa. C'est dans cette boîte là que je suis en train de mettre tout ce qui est ajouté. J'ai jeté les vieux sacs de classe, les vieilles trousses, certains vieux cahiers déjà trop déchirés, j'ai jeté. Donc j'ai appuyé tout ça dans la boîte de rangement jaune là. Et voilà comment leur armoire est maintenant. J'ai quand même laissé les boîtes de rangement à l'intérieur, mais vous constatez que j'ai retourné. Parce que les parties de devant là étaient complètement effilochées. J'ai retourné. Quand elles vont aussi finir d'effilocher les parties-ci, on verra s'il faut changer ou faire un autre modèle. Après avoir fait le tri et le rangement dans la chambre des enfants, maintenant je vais m'attaquer à leur lit. Ça, ce sont leurs draps qu'elles ont depuis. Elles ont 3 paires de draps et elles font avec. En attendant que d'ici peu, je renouvelle les draps. Généralement, à chaque rentrée, je renouvelle les draps. Mais cette rentrée-ci, je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas évident. D'ici peu, on va mettre la peinture sur le berceau de bébé et voir dans quelle mesure mettre le berceau de bébé dans la chambre des filles. Ça sera leur dortoir. Tout est rangé, tout est trié, tout ce qui est sale est jeté et on n'attend plus que la rentrée scolaire. On commence l'école avec une maison clean, tout est ordonné, tout est rangé, tout est propre. Même les enfants comprennent qu'ici là, les vraies choses commencent, c'est la discipline maintenant. Chacun se lève le matin, il range son lit, il soulève la moustiquaire. Vu que là j'avais enlevé la moustiquaire pour faire le ménage et pour que la chambre soit belle avant de la refixer le soir au coucher. On termine cette vidéo sur le cordonnier ambulant à qui j'ai donné les dernières chaussures qu'il y avait à réparer et quelques-unes de mes chaussures. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!